Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, Le Signe Noir avec Damned. Salut Damned. Salut tout le monde. Et donc, on va se lancer dans une petite série en coopération sur We Were Here, un jeu avec un gameplay un petit peu particulier, vous allez voir. Je précise que ma vue sera sur la chaîne Les Jeux du Signe et ta vue sera sur la chaîne 119 minutes, pour ceux qui sont intéressés de voir un petit peu les deux côtés du gameplay. Tout à fait. Donc We Were Here, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de coopération-exploration, c'est un de ces jeux où on va devoir s'aider en aveugle pour pouvoir sortir, résoudre des énigmes et sortir des pièces. On va être perdu dans un château et on va devoir s'en sortir à deux. La petite subtilité, c'est qu'on aura chacun un talkie et que donc on ne pourra pas parler en même temps. On fera demander à parler et se parler, bah, essayer de pas trop se marcher dessus, etc. Donc ça va être un petit peu tricky, on va voir ça. On n'a jamais fait celui-ci, hein. On a déjà joué un petit peu à l'une des autres versions. C'est une aventure en plusieurs phases, mais sinon on ne l'a jamais fait. C'est donc un jeu en temps réel, en coopération à deux, hein, vous pouvez jouer que à deux, vous pouvez jouer avec des inconnus si vous voulez, ou avec des personnes, avec des amis. Il est compatible manette, vous verrez que le gameplay n'a rien de très fou non plus, hein. Y a pas de grande phase d'action ou de trucs de skill, c'est vraiment un jeu à la fois assez angoissant et sympathique à jouer tranquillement. Ouais, à la fois posé, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il est en anglais uniquement pour celui-ci, les épisodes suivants ont du français mais celui-là n'est qu'en anglais, et il est gratuit sur Steam, donc du coup c'est un bon moyen de tester le concept. Ouais, tout à fait, oui, si vous aimez le concept, bah, les suivants c'est exactement le même, c'est d'autres aventures, ça va être plus poussé éventuellement, mais en tout cas c'est vraiment la même chose. Donc, effectivement, si vous avez testé celui-là, vous aimerez les suivants. C'est pour ça que c'est pas mal de tester la version gratuite, qui dure normalement, hein, en moyenne, il dure dans les 2 heures, quoi. Assez court. Alors, je vais ajuster un chouilleton son parce que je trouve qu'il n'est pas assez haut. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, y a pas de problème pour une fois. pour le bien de ce jeu, hein, puisque ça fait entièrement partie du gameplay, on joue avec le vocal du jeu. Ce qui veut dire que on n'est pas sur Discord en temps réel ou sur Mumble ou whatever else. Donc là on est sur la salle de lancement comme vous pouvez le voir, donc on s'entend tous les deux, mais une fois qu'on aura lancé le jeu, il faudra qu'on active notre talkie pour se parler et il est probable qu'on discute des fois, enfin faudra lire des choses, rechercher, etc. On s'entendra pas toujours, des fois on aura du mal à se synchro, enfin tout le gameplay va être là, donc on a décidé de jouer comme ça. Si c'est bon pour toi, je me mets ready, on attaque. C'est carrément bon pour moi, alors c'est parti. C'est parti dans 10 secondes. Donc tu seras l'explorateur, je serai le bibliothécaire. C'est ça, tout à fait. Voilà. On va voir complètement ce que ça signifie du coup. Et donc là c'est fini, il ne m'entend plus. Alors, en attente des autres joueurs. Donc je vais jouer le libraire qui a priori se retrouve enfermé. Damned sera l'explorateur et je devrais l'aider à progresser dans le château pour essayer de me libérer. Regardez la petite cinématique. Visiblement on est paumé dans un espèce de désert de neige et on tombe sur des traces de pas. Et le mystérieux château. Oula. Très très bien. On s'est fait choper. Parfait. We were here. Ce qui veut dire nous étions là, n'est-ce pas?
Alors, je ne sais pas du tout si Damned m'attend ou je m'attends ou pas encore. Alors, nous voilà en jeu. Oula, la souris est un petit peu violente. Allô, allô, tu m'entends? Il va falloir baisser un peu la sensibilité de la souris. Hein. Between the Haze. Allo, allo, Roger, tu m'entends? Ok, est-ce que tu m'entends? Ah, je t'entends parfaitement. Ok, c'était le temps de trouver le talkie. Je vais aller faire 2-3 réglages, parce que la sensibilité est beaucoup trop élevée pour ma souris, c'est l'enfer. Ouais, j'ai fait les mêmes réglages à l'instant, et d'ailleurs je vais baisser un petit peu ton son aussi, parce que c'est vachement plus fort que dans la salle de chargement. Alors, j'ai ramassé le Toki. D'accord. Ouais, j'ai fait exactement les mêmes réglages. Starting in the far west. Ok, alors je ne sais pas toi ce que tu vois, je peux te dire un petit peu ce que moi je vois. Eh ben écoute, moi je suis globalement dans une pièce, effectivement, une bibliothèque, et j'ai déjà des livres avec des textes dessus qui vont, j'imagine, te servir. J'ai sur un mur deux piliers, un avec un œil bleu et un avec un œil vert. Le bleu est à gauche, l'œil vert est à droite. Derrière moi, à l'opposé, j'ai un mur où il y a marqué The Answer Lies. Ah, et j'ai un mur avec des symboles. Je te les dis pas tout de suite. Et j'attends de voir ce que t'en penses. Alors écoute, moi quand j'ai commencé la partie, je me suis retrouvé directement face à un livre ouvert où c'est écrit en lettres de sang Between the Eyes, donc entre les yeux. Ok. Donc est-ce que il faut passer entre les yeux ou est-ce que la réponse est fausse et qu'il faut passer à côté Quand je suis passé entre les yeux, j'ai des symboles qui sont apparus sur le mur. Des symboles qui ont l'air d'être un peu de l'alphabet ça ressemble un peu du footark, l'alphabet viking. Alors j'ai un livre avec ce genre d'alphabet sur la couverture. Le premier symbole, c'est une espèce de bonhomme avec une tête en losange et des oreilles de chat. Que je n'ai pas. Le deuxième, c'est une espèce de paire de ciseaux, enfin en bas ça ressemble à une paire de ciseaux. Ah ok, alors je viens de vérifier, effectivement je peux cliquer sur les trucs, donc je pense qu'il y a un ordre. Alors par contre les deux me parlent pas, je vais te dire ce que j'ai, on va voir plutôt si tu les as du coup. Ouais, parce que j'ai trouvé d'autres livres avec d'autres symboles différents, un petit peu pareil et un petit peu différent, donc vas-y dis-moi. Ok, alors j'en ai un, c'est un rond. Ok, avec un trait vertical qu'il traverse et une croix. Donc un trait vertical en haut, deux traits horizontaux de chaque côté. Et ça fait un rond au milieu. Ça c'est le premier. Ouais, presque on est une feuille et un stylo. Hein. Alors je fais le tour des différents livres que j'ai trouvés. Ah, ça va être un trait vertical. Et en haut ça fait un espèce de W. Sauf que la vague du milieu est très courte par rapport aux deux autres. Et elle est vraiment en haut, la pointe de la barre verticale. Alors j'essaie de trouver ton rond. Tu m'as dit que c'était un rond qui était traversé, hein, ça faisait une croix. Hein. Pardon, ouais, un rond avec un X et une barre verticale qu'il traverse. Du coup, ça fait en gros un rond, un bâton droit, et comme s'il avait deux bras et deux jambes. Voilà, on va dire ça comme ça. Un rond avec un bâton. Sachant que des symboles j'en ai 9. Parce que je suis à mon 5ème livre là. Ah puis la lumière est pourrie. Alors là j'en ai un avec un rond qui fait une croix. Mais le trait vertical qui traverse le rond il se termine en faisant une spirale vers le bas. Ah, alors attends, vas-y, redis-moi.
J'en ai trouvé un livre avec un rond qui a une croix dedans, mais le trait qui fait la croix verticale, il descend en dessous le rond, il traverse un espèce de schéma qui ressemble vaguement à une montagne, et il continue en dessous en faisant une spirale, en se terminant en spirale. Ah ouais, alors, j'ai pas ça. Je pense que peut-être le mieux, ce serait que tu redessines éventuellement les... Et encore, ça va pas être simple de te faire redessiner... Déjà, faudrait que t'aies une feuille et un stylo et que je te fasse redessiner les symboles, mais même ça, je sais même pas si ça va bien le faire. Attends, j'ai trouvé un objet que mon mec a pris. Ah, et je viens de trouver une carte. Alors j'ai plein d'œils de couleur avec des symboles à côté. Et là, effectivement, j'ai des cercles qui sont barrés. Ah, intéressant. Les yeux, je te rappelle que c'est un œil bleu et un œil vert. Et mes symboles sont entre les deux. C'est bleu à gauche et vert à droite. C'est exactement ça. Alors, bleu à gauche et vert à droite. Du côté vert, j'ai un M majuscule. Et du côté gauche, j'ai une barre verticale, complètement verticale. Et en haut de la barre verticale, il y a un trait qui part vers la droite et qui descend un petit peu en pente douce. Alors ça, je vais pas tout à fait avoir celui-là. Si, je vais avoir ça. Ça ressemble à une espèce de N. Enfin, je crois. Un N écrit façon... Un N où la barre à gauche serait complètement verticale, du coup. Façon... Ah ! Comme on nous apprenait à l'école, j'ai oublié le nom. Et ça, c'est ce que j'ai, bleu et vert. Après, j'ai plein de combinaisons, enfin, j'ai toutes les combinaisons en fait, hein. Vert et bleu et rouge, vert et vert, enfin, toutes. Mais là, c'est le bleu et vert. Alors, moi, bleu et vert, c'est ça. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur ces deux-là, on va voir ce que ça fait. Oui, ça m'a ouvert la porte. Eh oui, mais du coup, j'ai plein de livres avec des symboles, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, c'est ça. Bah, à mon avis, et je pense qu'à chaque partie, ça doit peut-être changer, potentiellement. C'est possible, ouais. Et les livres avec les symboles, en fait, ont un texte de l'autre côté de la couverture à traduire, donc on verra, ça servira peut-être plus tard. Et alors, j'ai ramassé un objet que je tiens dans ma main que je ne sais pas poser. Ah, est-ce qu'on a un truc jump? Allez, je vais essayer de te décrire ma nouvelle salle. Alors, quand je suis rentré dedans, donc il y a un tapis au sol. Pour le moment, je pense que le tapis va pas trop nous servir. À côté de ça, j'ai encore des tonnes de symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 symboles au mur qui sont tous cliquables. Et je vais avoir également... Est-ce que ça va nous servir, ça? Ah, c'est pas impossible que oui. Je vais avoir un tableau au mur qui est un peu étrange. Est-ce que tu as quelque chose avec des dessins? Alors attends, j'avais pas vu que même moi ça s'est ouvert de mon côté. Effectivement, je rentre dans une salle avec plein de tableaux. Plein de tableaux au mur. Une bonne vingtaine de tableaux. C'est un petit... Alors, comment décrire ça, quoi? Ça, c'est un espèce d'animal à deux pattes. Si on peut appeler ça un animal. Il a des doigts de singe, des doigts de pied de singe. Une carapace d'escargot violette et un crâne en forme de tête. Je l'ai. D'ailleurs, le crâne, on dirait qu'il est dans une main, en fait. Ouais, là, c'est une main qui tient le crâne, en fait. Je viens de voir que les doigts sortent des oreilles. Enfin, peu importe. Ouais, c'est effectivement, je confirme, je vois bien les doigts. J'ai bien le truc violette, la carapace violette, le coquille d'escargot violette, et les doigts de singe à deux pattes. Et une queue noire, également. C'est ça. Et je suis certain que tu as trois symboles en dessous. Tout à fait. J'ai trois symboles en dessous. Alors, il va falloir que tu me les décrives parce que... Le premier symbole, ça ressemble à un chandelier à trois branches. Placer du mur et aller les mettre en dessous. Donc celui de gauche, je t'écoute. Ah oui, alors c'est vrai que quand on parle en même temps, on s'entend pas. Hé, oui, le principe du talkie. Du coup, le premier tout à gauche ressemble à un chandelier à trois branches. Je l'ai, bouge pas. J'ai une autre porte ici. Celle-là, c'est là que je viens. C'est bon pour le premier.
Le deuxième, ça ressemble à une maison, avec une porte et les deux fenêtres à l'étage, classique maison. Avec des espèces de petits cheveux sur les côtés. Ouais, c'est ça, trois petits trucs qui partent sur chaque côté en haut. Je t'écoute pour le troisième. Et le troisième, ça me fait penser à une tortue qui aurait un socle vers le bas, un socle horizontal vers le bas. Je l'ai, je vais l'insérer, je pense que ça va ouvrir la porte. Je pense. Ah d'accord, le jeu vient de m'envoyer chier en me remettant tout et en me disant bah c'est pas ça. Effectivement, j'ai entendu comme un gros bruit. C'est étrange parce que ça ressemble pourtant à la créature que je t'ai décrite, sauf s'il y en a deux qui sont très identiques. Bah, écoute, moi je les vois toutes et globalement, elles peuvent être faites du corps à deux pattes, d'une tête d'oiseau, d'un corps de chat, et avoir une coquille d'escargot ou un visage avec un grand nez qui tire la langue sur le dos. Ouais, alors non, la mienne c'est vraiment, elle est marron. C'est-à-dire ça, c'est que la queue a l'air marron aussi chez moi, alors après c'est peut-être bon, ça c'est peut-être là, voilà. Elle a effectivement des doigts de singe, elle en a 4 sur chaque patte, une coque d'escargot violet et un crâne blanc. Juste un crâne blanc à la place du cou, enfin au bout du cou. Et elle a bien une queue. Elle a bien une queue, je confirme, elle a bien une queue, elle est pas noire mais elle a bien une queue. Alors chez moi ça apparaît noir mais bon c'est peut-être la luminosité qui a chié, je vais quand même refaire un tour. Ah alors attends, je viens de voir que je peux éteindre les torches, je sais pas si ça fait quelque chose. Donne-moi deux secondes, je vais éteindre toutes les torches au cas où ça fasse changer les dessins. Je t'en prie, vas-y. Une seconde, je pense que je viens de comprendre, j'avais pas vu. Tu me parlais d'un chandelier. Ton chandelier, est-ce qu'il a des têtes, enfin des bougies, on va dire, rondes ou losanges? Ah, ronde. Ah, attends, bouge pas, je vais recommencer. J'avais deux symboles un peu proches. Ah ouais, j'ai fait un peu le tour de la salle pour voir si justement il y avait des trucs qui se ressemblaient, mais j'ai rien vu d'autre identique. Ah, parce que toi tu... Mais moi oui. Ouais, ils sont assez vicieux pour te mettre des trucs qui sont proches, mais que moi je ne peux pas deviner que t'en as parce que je ne les ai pas. Musique absolument pas angoissante. Bah oui, c'est mieux comme ça. Ok, donc je suis bien dans une nouvelle salle. Alors moi ça a rien changé à ma salle, du coup je vais retourner dans la bibliothèque. Je crois que le niveau de l'eau dans la salle est en train de monter. Oups. Alors attends, j'ai trouvé, ça m'a ouvert un truc, je cours. S'il te plaît. Je me balade dans des couloirs. Juste te donner une seule chose, c'est la seule chose que je suis capable de te dire en information, c'est que c'est marqué violet, purple, au-dessus de la porte. Je suis arrivé dans une salle avec des tuyaux et deux valves, j'en ai une bleue et une jaune. Eh ben, est-ce que du bleu et du jaune ça ferait pas du violet par hasard ? Je viens d'ouvrir les deux. Au secours! J'ai l'impression que j'en ai une violette au milieu que je viens de. Mais c'est bizarre, je l'ouvre, je l'ai ouvert là, ça fait quelque chose? Le niveau monte, tout va bien. Au secours! J'ai raté un truc, j'ai rien raté. J'ai aucun autre indice, hein. Le niveau est en train de monter, donc c'est vraiment violet, purple, hein. Je n'avais rien d'autre.
Bah, j'ai trois trucs, une bleue, une jaune et une violette au milieu, et quand j'essaie de les ouvrir et de les fermer, visiblement ça ne fait rien. Essaye d'ouvrir que la violette peut-être et de refermer les autres. Là, la violette est ouverte, là. Allo, allo, tu m'entends? La violette est ouverte. Ok, il ne se passe rien. Les torches viennent de s'éteindre, le niveau continue de monter. Le drame. J'ai ouvert les deux autres et fermé la violette pour voir. Toujours pas. J'ai ouvert juste la jaune. Mais je peux te parler normalement pour le moment et je n'étouffe pas visiblement. Ah, ça m'a ouvert un succès. Il s'est passé un truc particulier. Allo, allo, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Dis-moi. J'ai eu un succès qui s'est débloqué, ça t'a sauvé? Oui, t'as fait quelque chose. Le niveau vient de redescendre au moment quasiment où il touchait le plafond. Bah, c'est pas évident de savoir si elles sont ouvertes ou fermées, mais j'ai ouvert la bleue et la violette et fermé la jaune. Très bien, ok. On va dire que tout va bien alors. Bon, alors je rentre dans la nouvelle salle. J'essaie de voir si ça m'a ouvert un truc ou pas. Ok, alors attends. Ah, le petit stress du jeu, hein. Des fois, faut pas traîner. On dirait que j'ai pas le choix de retourner dans la librairie. Ok, alors je suis enfermé devant une grille et en fait j'ai un message derrière qui dit "Bring down the gliding light". Pour moi c'est éteindre les lampions quoi. Je peux essayer de rééteindre les torches dans ma salle au tableau. Moi je peux le faire, j'ai deux torches mais je les fais, ça ne change rien. T'as pas d'indication, genre une statue ou des tableaux, parce que je suis passé à côté de torches, à côté de statues aussi en descendant dans la salle des valves. Non, je ne vois que ça. Au sol, il y a un compas qui pointerait vers le nord en direction du message, mais pas plus. Alors, je viens de finir d'éteindre les torches dans la salle des tableaux, mais j'ai pas entendu de truc particulier. À mon avis, c'est soit dans une nouvelle salle, soit dans celle où tu étais. Alors, je peux pas éteindre les lampes dans les couloirs, donc je vais retourner dans la salle avec les tuyaux. Attends, excuse-moi, en fait j'avais un truc que je voulais faire, que j'ai essayé de faire, j'ai pas réussi, je viens de retenter, j'ai réussi. En fait, c'est que j'ai dû ouvrir un levier qui m'a ouvert la première grille et fermé la deuxième. Et en fait, dans mon idée, je m'étais dit, bah, je vais rouvrir le levier, passer sous la première grille et être au niveau de la deuxième. Enfin, être entre les deux et la deuxième sera ouverte et je pourrai accéder au message du coup. Et en fait, là j'ai réussi à le faire alors que tout à l'heure j'ai pas réussi, ça ne marchait pas. Bref, donc je suis passé. Ok, bah c'est peut-être quand même la torche qui a fait un truc alors, je ne sais pas. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit écrit gliding, mais plutôt guiding light. Ah, tu te fais guider par la lumière. Ok, alors, waouh, je suis arrivé dans un. Dans un. Je sais pas comment dire. Dédale de couloir. Il y a des torches de partout et des trucs bizarres qui passent dans les couloirs. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Bref, il y a des tonnes de tableaux avec des lampes et des statues et tout, c'est immense. Hein. Ok, parce que j'allais dire que j'ai trouvé un plan avec plein de couloirs assez fins, mais ils sont tout petits les couloirs, donc ça doit certainement pas être ça. Ah bah après, si t'as trouvé un plan, ça pourrait quand même être ça.
Ah, je vais peut-être pas dire que c'est immense, mais par rapport à toutes les salles qu'on vient de faire, là, c'est des... ça fait quand même des grands... un grand couloir avec des trucs. Attends, au niveau des entrées, normalement, soit tu rentres par un grand escalier de 2 de large et t'arrives en face d'un mur, soit tu rentres par un petit escalier et t'as directement un escalier qui descend à gauche. Oui, oui, j'ai bien ça, j'arrivais par un escalier, il y a un petit couloir, un mur, et à gauche, il y a un autre escalier qui descend. Et à droite, il y a un couloir. Alors, t'es arrivé par un escalier, et t'avais un mur, mais t'avais rien à droite, hein. T'as pu aller tout droit et à gauche. Ah si, je pouvais aussi aller à droite. Ok, donc je vois où t'es. Donc théoriquement, si t'as pris à gauche, tu descends un escalier, t'arrives dans une grande salle avec des caisses sur la droite et une nouvelle sortie sur la droite. Alors, si je descends l'escalier qui est à gauche j'ai une espèce de fin de couloir et à droite j'ai tout de suite des escaliers qui montent, pas de caisses. Ok, les enfoirés m'ont mis complètement de l'autre côté, je crois que je vois où t'es. Alors du coup tu pouvais partir sur la gauche ou sur la droite, donc là... D'un autre côté j'ai pas la moindre idée d'où il faut que t'arrives, donc... je sais pas trop où te guider, t'as dit qu'il fallait se laisser guider par la lumière. Tu verrais, ou un symbole, ou quelque chose. Ah, j'ai juste des couloirs avec des caisses quoi, enfin des salles avec des caisses. Je vais essayer de te faire arriver quelque part, donc t'as pris à gauche là. Hein. Ouais, attends, j'étais juste reparti sur mes pas, fouiller les autres salles, voir si je voyais des trucs, mais je vais y retourner. Ah, attends, je vois un interrupteur là, bouge pas. Est-ce que si je le prends dans l'autre sens, ça s'affiche dans l'autre sens. Ok, il a rien changé, donc je vais le remettre à sa position, on va dire que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et je retourne à gauche, donc je descends les escaliers, effectivement, comme je t'ai dit, et soit à gauche j'ai une fin de couloir, soit à droite j'ai d'autres escaliers qui montent cette fois-ci. Ça ressemble pas au plan que j'ai, quoi. Enfin, après, c'est difficile de voir si les escaliers montent ou descendent, mais... Tu m'as dit... L'escalier qui était à ma droite, du coup, je monte un petit couloir, et là je peux aller soit à gauche et j'ai encore des escaliers, soit à droite, et ça tourne tout de suite à gauche. Et j'arrive à fermer. Et ben, tiens, attends, la grille a les mêmes symboles que le levier que j'ai poussé. Donc je vais retourner pousser le levier, ça se trouve, je me suis débloqué tout seul, bouge pas. J'attends. Ça va être compliqué cette aventure, je sens. J'ai renclenché le levier, je vais aller voir si ça a changé quelque chose ou pas. Ça se trouve, le but c'était que tu me guides dans ce dédale, mais. On va voir. J'ai entendu une petite musique alors peut-être. Non, alors là j'ai une grille qui est fermée par contre, donc rien à voir. Parce qu'attends, il y a plusieurs grilles, il y a plusieurs endroits, c'est un peu grand. Je vois des trucs qui se déplacent un petit peu, des ombres qui passent devant moi aussi, c'est toujours un peu inquiétant. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fermé le couloir qui allait vers les valves. Ah ok, d'accord. Ah, ça m'a ouvert une grille moi par contre, attends, donc je continue d'avancer. Et je vois un autre interrupteur à côté d'une des caisses, cette fois-ci celui-ci est vert. Voilà, je l'ai baissé, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ça m'a rouvert la salle, alors je vais vérifier si ça m'amène toujours au tuyau. Ça m'amène toujours au tuyau. Ok. Je vais aller voir parce que moi il y avait une autre grille, du coup est-ce que ça me l'aurait ouvert? Non. Alors après on peut essayer que tu m'enfermes dedans, peut-être que ça va ouvrir un truc derrière la porte. Éventuellement essayer ça, j'ai quand même des doutes ce qu'on est en train de faire, mais bon, parce que ce qui m'inquiète c'est que toi t'as un plan, donc je pense que t'es censé me guider, mais si t'as pas trop d'indications. Bah ouais, le plan c'est vraiment basique quoi, c'est juste des couloirs vus du dessus avec des dessins de caisse quoi.
Alors, est-ce que t'es capable de me retracer le chemin que t'as fait vaguement, voir si j'arrive pas à te resituer ? Tu veux que j'essaie de te redécrire mon endroit ? Non, le chemin que t'as fait depuis que t'as pris le premier escalier, depuis que t'es rentré dans le couloir là. Alors, donc je suis arrivé, je suis au début où il y a le message, je peux aller à droite ou à gauche. Je vais à gauche, je descends des escaliers. Arrivé en bas des escaliers, tout de suite à droite, je remonte des escaliers. Okay, j'avance dans un couloir. Et là, soit à gauche il y a des escaliers qui ne mènent nulle part, je retourne vérifier, ouais, qui mènent à un cul-de-sac. Ou à droite, je peux continuer mon chemin. Ça colle absolument pas. Au début, ça collait de monter les escaliers direct, tu descends les escaliers et après tu les remontes. Et t'étais censé arriver sur un mur, direct en face d'un mur où tu devais aller à droite ou à gauche et t'avais d'un côté une salle et de l'autre côté un couloir. Quoi. Je vois pas où t'es. Ok, alors on va dire que je pars à droite, on va voir si à droite t'aurais un autre chemin. Parce que c'est peut-être toi qui. Peut-être que moi j'ai plus de chemin que toi sur le plan. On va dire ça comme ça. Si je vais à droite, j'avance un petit peu. Tout de suite à droite, je peux descendre des escaliers. Enfin, tout de suite à droite, je marche un tout petit peu et je vais à droite. Sinon, je peux continuer tout droit et tourner à gauche. Et après, je retourne à gauche et j'ai encore des escaliers. Alors, chez moi, si tu partais sur la droite, t'étais censé avoir un escalier du coup et arriver dans une grande pièce. Ou alors, si t'es arrivé par ici. Non, mais tu peux pas être arrivé par ici. Si t'es arrivé par ici, tu passes à droite. Non, y a aucun endroit où il y a des croisements quand tu pars à droite, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je vais chercher si j'ai pas un autre plan. Vas-y, ça marche. Parce que bon, celui-là, il est un petit peu obligément posé sur une table, donc je me dis... par terre... Moi, j'ai des livres à certains endroits, mais je peux pas les consulter. Et bien évidemment, mais ça je pense que je t'en ai pas trop parlé parce que voilà, mais j'ai de temps en temps j'ai des tableaux, notamment avec des chiens, principalement des tableaux avec des chiens de différentes formes et avec des lumières à côté, mais pas partout. Je suis en train d'essayer d'augmenter la luminosité à un max pour voir si je rate pas un truc, mais ils sont malins, hein, ça ne marche pas comme ça. Ouais, non, c'est clair. Livre là, non, toujours. Ah, et moi, les seuls livres que j'ai, c'est des livres avec des symboles d'un côté et derrière un texte, c'est tout. Ah putain, j'avais pas vu, je pouvais monter en haut de la bibliothèque. Attends, je cherche. Ouais, vas-y, mais moi, je viens de me rendre compte d'un truc aussi. Ok, attends, je peux continuer plus loin. J'ai trouvé un levier, j'ai poussé pour voir. Ah, et j'ai trouvé un projecteur de cinéma et j'ai un film. Les plus grands mouvements des jeux d'échecs. Donc bon, ça servira peut-être plus tard. Ok, effectivement. Attends, j'ai trouvé, j'ai appuyé sur un levier et ça m'a changé le plan. Maintenant, il y a des croix vertes, des murs verts et tout dessus. Ok, alors par contre, je sais plus du tout où je suis, donc ça va être l'enfer. Je me suis perdu, c'est gigantesque. Ah ouais, du coup, effectivement, je vois bien la porte par... Il y a bien une flèche qui me dit, t'es censé rentrer par un endroit. Et c'est pas du tout l'un des endroits que je pensais, quoi. Ah oui, d'accord. Alors du coup, tu m'as dit que t'étais parti sur la gauche. Perdu. T'as tiré un levier vert, c'est ça ? Allô ? Oui, pardon, j'ai oublié de mettre mon toki, bien évidemment. Donc oui, j'ai tiré un levier vert, et après je suis passé par un... Alors, en gros, je suis devant le levier, là, voilà. Je me retourne à gauche, je fais quelques pas à droite, et là je passe sous une grille qui est verte, qui est ouverte, du coup, et je monte des escaliers. Et tout de suite à gauche, j'ai un portail rouge qui est pour le moment fermé. Je peux pas passer, il faut que je trouve, à mon avis, le levier rouge. Et donc si tu continues tout droit le long de ce portail, tu devrais arriver à un escalier et directement à droite, ça de nouveau un escalier. C'est ça, tout à fait.
Donc du coup, si tu vas encore sur la droite, tu vas avoir un virage, et si tu vas tout droit, tu devrais retomber sur une grille verte. Et putain, ça s'est éteint, faut que j'aille appuyer sur le levier. Je confirme, ça y est, tu es mon guide. Alors normalement, dans la salle qui est derrière la grille verte, tu devrais avoir le levier rouge, mais attends, je rallume le truc pour voir. Je le vois, tu as raison. Ok, j'ai rallumé, et par contre, du coup, c'est fermé la grille. C'est ça. Donc bah du coup il faut que tu retournes au levier vert et je vais essayer de te guider parce qu'il y a un autre chemin avec des leviers bleus. Ok, bon, et ben on va faire ça. Alors tu te mets dos à la grille verte si tu veux, je te guide pour repartir. Yes, je te disais, pas de problème, je vais y retourner. Est-ce que tu penses qu'on devrait pas arrêter le premier épisode sur ce petit fait ? Tout à fait, ouais. On va arrêter le premier épisode là, c'est vrai, t'as raison. On terminera cette énigme la prochaine fois. Je fais la petite outro, si ça te va ? Oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Et bien du coup, on espère que ce premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir la vue de Damned qui galère ou la vue du Cygne qui galère respectivement sur la chaîne de 119 minutes ou sur la chaîne des jeux du Cygne, selon là où vous avez vu la première vidéo. On se retrouve très vite pour essayer de sortir Damned de cette galère. Et bien du coup, on vous dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.